Yo, salut à tous les amis, c'est Aquasi, on se retrouve pour la suite ouf de notre let's play sur Corpse Party. Alors, nous venions juste de trouver la clé de l'infirmerie, et bien je propose que nous y rendions de ce pas. Je referme, hop, voilà, on est bon. Utiliser la clé de l'infirmerie, la porte est maintenant ouverte. Si ce n'est pas parfait, qu'est-ce qui le serait, n'est-il pas? Attendez un instant, hop. Excusez-moi, fermez une fenêtre, c'est pour éviter le lag. Alors nous sommes donc dans l'infirmerie. Voyons voir. De vastes quantités de médicaments et de toniques sont alignées sur les étagères. Il y a une paire de ciseaux sur l'une des étagères. Ces deux lames sont couvertes de sang. Ah, les ciseaux ensanglantés. Nettoie tes mains avec du savon. D'accord. Ça me paraît tout à fait... Alors, il y a un vieux journal sur le bureau. Au moins, ça semble être un journal. En réalité, on dirait plus un modèle fusionné avec la surface du bureau. Ça ne peut même pas être soulevé et les pages ne peuvent même pas être tournées. Well, fuck. Il y a un diagramme anatomique du corps humain attaché sur le mur. Avec une inspection plus proche, il semblerait que chaque organe a été peint par-dessus avec du véritable sang. Oh, Jesus! De vastes quantités de médecine de tonique, il y a avec une bouteille d'alcool. Pourquoi avait-il besoin de tout ça? C'est un vieux, c'est un vieux poêle à chauffer, mais il est tellement rempli de cendres qu'il ne, qui s'allumera sûrement plus jamais. Une boîte d'allumettes est posée sur le sol à côté. Les prendre? Ah bah oui, attends, ce qu'on me propose. Toujours prendre ce qu'on vous propose. Tenez, la boîte à allumettes. Oh, c'est mignon avec un petit chat noir dessus. Une bonne petite sauvegarde s'impose. Oh, ça lag relativement pas mal. C'est un peu dommage. Excusez-moi, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je voulais déjà expliquer encore et encore. Oui. 'Sois sage maintenant. Bien. Je marche lentement parce que j'ai que ça à faire. D'une certaine manière, j'aurais pensé que ces lits seraient plus poussiéreux. Ils sont bizarrement propres. C'est bien, ceci dit. Maintenant, tu vas pouvoir reposer tes os fatigués, Naomi. Oui, je pense que je vais m'allonger ici un moment. Toutes serrées dans le coin comme ça. J'ai toujours préféré les bordures et les coins comme ça. Ils me font me sentir en sécurité, je pense. je vois ce que tu veux dire. Je suis exactement pareil. Je me demande s'il y a quelque chose ici que je pourrais utiliser calmer un peu, voilà, calmer ta cheville. Reste assise, je vais rejeter un coup d'œil. Ah, voilà. Ok. Avec ce bunch, ben, merci beaucoup. Ne me remercie pas encore, je n'ai encore rien fait. N'empêche, je me demande quand, moi, honnêtement, ce que... Elles ont vraiment de l'aplomb pour réussir à marcher sur un sol pareil. Moi, quand je verrais le sol dans cet état, ça me ferait flipper toutes les 5 secondes. Je veux dire, voir le sol comme ça, sur le point de tout s'écrouler avec des trous partout, putain, je pourrais jamais rester là, moi. C'est toujours, ça va s'écrouler. Ah, ça fera l'affaire. Qu'a-t-elle trouvé?
I got me a makeshift splint and some bandages. That's praying the governor, now hold still. Ouais, en gros, elle dit qu'elle a confectionné une petite attelle, de manière manuelle avec quelques bandages et tout. Et que, ben, cette entorse va disparaître. Oh, tu me sauves la vie. Et voilà, tu es tout enroulé. Comment tu te sens? Ça fait du bien, Seiko, merci. Deux filles dans un lit, ça sonne mauvais. Excusez-moi. De rien, quoi. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de m'être tordu la cheville, moi aussi. Alors, je sais exactement ce que tu ressens. Ah, ça aurait été bien de pouvoir mettre un peu de glace dessus, ceci dit. T'inquiète pas, tu as déjà fait plus qu'il ne fallait. Tu dors maintenant? Ça ira, j'imagine. Ravi que tu sois d'accord. C'est Slumberland. Slumber, c'est quand vous vous endormez. C'est la fatigue. Donc Slumberland, ouais, voilà. Donc c'est que ouais, je suis crevé, quoi. Je pense que ça se traduit comme ça. Tu es vraiment un odd ball. Odd, c'est bizarre. Ball, une boule bizarre? Non. Voilà, quoi. Alors, dis, Naomi. Si on trouve Mochida, as-tu pensé ce que tu vas vouloir faire avec lui après? Oui. Les intrigues sentimentales. Ça, c'est classique des jeux japonais. Eh bien, tu sais ce qu'on dit? Quand deux personnes se trouvent face à des situations très difficiles, eh bien, ça amène souvent à l'amour. L'amour, sweet love. Hein. Tu devrais rassembler ton courage et confesser tes sentiments pour lui. Tu fais toute girly ou toute féminine avec lui dans cet endroit effrayant. Et ton facteur mignon, voilà, va augmenter, va tripler à ses yeux, je parie. Oui, c'est sa manière, oui, c'est un raisonnement très... Ah oui, Seiko, c'est un très bon raisonnement. Je te jure, avec toi, Otto, j'ai toujours l'impression d'être juste en train de glandouiller à l'école, comme si n'y rien arrivait. Merci pour ton avis, enfin ton conseil. J'y songerai. J'espère qu'on le trouvera vite. Hein? Mais toi, pas trop, non? Tu es en train de penser à quel point tu aurais espéré qu'il ne soit pas mis dans la même situation que nous. Ouais. Tu veux le voir, mais tu souhaites qu'il aurait pu. Tu souhaiterais pouvoir te reposer en pensant qu'il est sain et sauf chez lui plutôt que traîner dans le coin. Pas vrai? C'est peut-être ces instincts maternels qui reviennent chez toi, hein? T'en es vraiment une, pour sûr. Elle sonne peut-être comme une idiote, mais elle a raison sur tous les points. J'imagine que je ne peux pas la tromper. Kurt Weaver, since we got here, oui, en gros, j'ai été un peu dur avec elle depuis qu'on est arrivé. Je ferais mieux de pardonner. Enfin, demander pardon. Oh non, pitié. Et qu'est-ce que c'était exactement? Désolé, c'est juste quand je vois ce cul, je commence à baver. Tu es tellement bizarre.
Ah, et juste quand ça allait commencer à être, comment dire, un peu trop chaud, Yuka sauve la mise. Merci Yuka. Tu as sauvé le PEGI 18 de cette vidéo. C'était encore Yuka? Je l'ai entendu aussi. Je vais aller voir. Tu restes ici, tu te reposes, ok? Je serai de retour en un instant. Je pense pas que ce soit une si bonne idée. Je ferais mieux de venir moi aussi. J'insiste, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Juste reste, garde ton. Juste garde ton cul garé sur ce lit, ok? Enfin, t'as compris? Eh bien. Mais. Écoute, ta cheville est toute. Est toute soignée maintenant, n'est-ce pas? Enfin, t'inquiète pas, quoi. D'accord, j'imagine que je vais rester ici. Enfin non, c'était pas plus t'inquiète pas, c'était plus ne gâche pas tout quoi, ne gâche pas le fait que je t'ai soigné. Ah, c'est si difficile à traduire des fois, ça m'énerve, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi et de faire un commentaire de mauvaise qualité. Ah ça, je ne supporte pas. Ah, ma cheville me fait beaucoup moins mal maintenant. C'est que est vraiment bonne pour s'occuper des autres. En même temps, c'est vrai, puisqu'elle s'occupe de tous ses frères chez elle. Mademoiselle Yui et les autres, Satoshi, je me demande ce qu'ils font maintenant. Oh, flashback. Rumble, rumble. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Satoshi? Reprends-toi! Élève-toi! C'est ma poitrine! Oui, évidemment, il a fallu qu'elle se souvienne de ce détail-là. Désolé, désolé, je ne voyais pas ce que j'attrapais. Il en a profité, hein. Non, vous voyez, après, il y en a qui me disent: oui, il faudrait peut-être que tu restes un peu dans l'esprit du jeu, que tu réfléchisses un peu, que tu sois plus dans le côté horreur. Mais comment tu veux être dans le côté horreur avec ça? Tu peux pas. C'est pas possible! Tu as de la chance d'être aussi mignon. Oh. Ouf. Je veux juste le revoir. Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Faut quand même rappeler que ce sont des lycéens. Ils ont maximum entre 16 et 18 ans. C'est relativement dur de voir toutes ces horreurs. En plus, si jamais ils survivent, t'imagines un peu les séquelles. Wow. La porte est. Pourquoi la porte est-elle fermée? Alors là, après une inspection plus poussée, il n'y a rien de visible qui semble bloquer la porte, ni aucune preuve que ça a été fermé. Quoi? Ça peut pas être fermé? Enfin, si ce n'est pas fermé, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Oui, non? Par des liens invisibles, ouais. Oh! Hihihihi! On aurait pu dire un petit lutin là, ouais, excusez-moi. Ce sont des enfants? Partons tous en voyage d'été, enfin, partons tous en classe verte, voilà, ce serait plus correct de dire une classe verte. Pendant les vacances d'été, enfin non, oui, enfin voilà, ils vont partir en voyage quoi. Ah, c'est tellement difficile là. Ah, d'accord! J'ai compris le sens de ce message, d'accord, non, non. Vous comprendrez plus tard avec l'histoire, d'accord, moi je viens de comprendre. Voilà. Vous voyez, c'est ça que c'est bien de rejouer. On comprend ce qui se passe depuis le début, et on comprend plus les implications que certains passages ont dans l'histoire. Oui, non? Ah, je peux toujours bouger. Wow, il y a un caractère qui a changé. Nettoie le sang avec du savon. Maman, ça me plaît pas du tout. Nia, le diagramme est toujours ensanglanté, rien de nouveau. Ma tête me fait tellement mal. Ça ne s'arrête pas de sonner dans mes oreilles.
Ni... Oh! Regardez la porte. Des cheveux. La porte est, étant, oui, enfin, elle est retenue par un nombre incalculable de mèches de cheveux, la maintenant en place. Bizarrement, tout ce qui a un rapport avec les cheveux dans les, dans le truc d'horreur, c'est effrayant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Quelqu'un est là? On dirait qu'un stylo bille est en train d'écrire quelque chose sur un morceau de papier. Wow! Sachi, es-tu venu me trouver? Ah, je sais qui c'est. D'accord. Oula. Oula, non. Non, 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 non. Wow! C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Faut que je m'en aille. La porte, voilà, elle est maintenue en place. Ah, ça ne sert à rien. D'où ces cheveux viennent-ils? Tu aides-moi. Essaye d'utiliser une allumette pour le brûler les cheveux. Oui. La flamme n'est pas suffisamment forte pour faire aucun dommage significatif. Ah! Dans ce cas, il va falloir utiliser autre chose. Nier! Non! Va falloir... Bordel! Utiliser l'alcool! Voilà, et là c'est typiquement le truc du RPG qui manque vraiment dans Book of Shadows, c'est le fait qu'il y ait ces passages où on peut se faire choper par quelque chose et se faire tuer. De vastes quantités de médecine et de tonique ont été alignées sur les étagères avec une bouteille d'alcool. Vous savez, l'alcool pour frotter quand on a des plaies, enfin quand on a des blessures, enfin, ah, des coups, ouais, des coups. Parce que de l'alcool sur une plaie, à part faire crier, de l'alcool, parfait. Et l'alcool, c'est incendiaire. Allez, viens là, ma grande, viens là. Heureusement, ils sont pas très malins. Viens là, viens là, viens là. Voilà, je l'ai coincé. Esquivez. Voilà. Oui, donc envoyer de l'alcool sur les cheveux. Et bien, donc voilà. Après avoir foutu l'alcool, on met le feu et ça marche. Donc voilà, c'est des détails insuffisants qui veulent juste dire, voilà, ça y est, ça a tout cramé. Phew! C'était moins une. Hein. Ah, j'avoue, putain. Ah, j'ai cru que j'allais me faire avoir pour le coup là. Pourquoi je fais le voice acting? Ils sont tellement meilleurs que moi. Mais du coup, moi aussi, je tousse. Je vais te tuer. C'est juste effrayant. Donc là, elle est en train de vomir, quoi. Du sang, on dirait. Non, c'est pas du sang. Ça doit être juste quelque chose de très rouge qu'elle a mangé. C'est pas du sang, ça. Arc. C'est là que tu te dis, ouais, finalement, les graphismes RPG, c'est pas trop mal. Ça t'évite les détails un peu trop... Ouais, voilà. Naomi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Seiko. Et là, regardez les yeux de Naomi. Elle manquait sa pupille. Désolé pour for the mess, ouais, donc pour ce qu'elle vient de cracher, quoi. Mais de quoi tu parles? Ne t'excuse pas pour avoir dégueulé, pauvre fille. Tout va bien. Tu te sentiras mieux une fois que ce sera en dehors de ton système. Tu as besoin de moi pour te masser le dos?
Je pense que ça ira. Merci, cependant. As-tu trouvé Yuka? On dirait bien que nous sommes vraiment les deux seules personnes ici. Les deux seules personnes vivantes, en tout cas. Cet endroit est juste trop silencieux. Et toi, Naomi, ta jambe va mieux? Es-tu prête es-tu prête à y aller? Pendant que je me reposais, j'ai été soudainement attaqué par cette ombre, enfin cette apparition noire, effrayante. Quoi? Oh mon Dieu, est-ce que ça va? Je pense. Nous devrions considérer que cette room, mon Dieu, que cette salle est en dehors des limites. Peut-être maintenant, ceci dit. Voilà, il vaut mieux pas y retourner. Ça ira. Je suis juste contente que tu ailles bien. J'imagine qu'il faudrait mieux que nous continuions. Tu peux te lever? Oui. Mais où est-ce qu'on est supposé aller? Eh bien, nous avons vu à peu près tout ce qu'il y a, à voir dans cette satanée école. Et les deux seules personnes que nous avons, les seules personnes que nous avons croisées sont toutes mortes. C'est pas vrai, ça recommence. C'est sans espoir, on est fichu. Je suis si fatigué. Je agis comme un enfant encore. Naomi, eh viens, ce n'est pas si grave. On trouvera un moyen. La classe 2-9 ne dit jamais meurt. Oui, enfin, on n'abandonne jamais. Pas vrai? On est invincible. J'ai un rendez-vous à la coiffeuse demain matin. Et j'ai bien l'intention d'y aller. Et après, dans l'après-midi, qu'est-ce que tu dirais si nous allions faire réparer nos vélos? Pas mal, non? Si on rentre en vie, c'est sûr. C'est Seiko. Mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai juste pas le sentiment de pouvoir me retenir. Naomi, est-ce que tu es genre vraiment, super duper, c'est vraiment super fatigué ou quelque chose? Ça ne te ressemble pas. Allez, relève-moi ce menton. C'est bien la seule chose que nous devons avoir peur, et la peur elle-même. Mais pourquoi es-tu de si bonne humeur? Tu n'arrêtes pas de sourire et de rire. Ah bon? Dis-moi, encore combien de temps cela va-t-il prendre avant que tu te rendes compte que nous ne rentrerons jamais chez nous? Tu n'y as vraiment pas pensé? Nous allons trouver quelque chose. C'est des conneries et tu le sais. Je devais finalement avoir craqué sous la pression. Toute cette situation était plus que ce que mon âme ne pouvait supporter. J'ai pensé que je garderais que je garderais le sourire avec Seiko jusqu'à la fin. Mais juste comme ça,
Je la baratinais, abusing her. Tout ce qui, enfin voilà, en gros voilà, tout ce qui courait dans ma tête était de la douleur et de la tristesse. J'étais comme un bébé throwing an hissy fit. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Enfin, qu'un bébé sans défense quoi. Je criais irrationnellement et je ne pouvais m'arrêter. Des mots venimeux sortaient de ma bouche et something has turned on a spigot. Ouais, ça non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je faisais était grogner, me plaindre et oui bon, en gros elle agissait comme une connasse quoi. J'agissais vraiment comme une petite gamine gâtée. Mais brat c'est gamin mais dans le sens dans un très mauvais sens quoi. Je suis sûr, nos familles doivent avoir vraiment beaucoup de soucis pour nous. Ils doivent nous chercher et chercher, mais ils ne nous trouveront jamais. Ça va être un tel poids pour eux. Tu as tort. Comment ça? Le fait que ce soit un poids. Quand tu perds une personne que tu aimes, tu chéris la mémoire de cette personne. Ce n'est jamais un poids. Juste, tu fais tout ce que tu peux. N'importe quoi, pour la rendre fière. C'est tout ce que tu veux. Et toi aussi. Qu'est-ce qui me prend? La mère de Seiko a disparu il y a de nombreuses années. Elle le sait. Alors pourquoi je continue à être comme ça? C'est... Du moins ce que je pense des gens que... Attendez, une seconde. Excusez-moi, j'ai du mal à attraper cette phrase. Est-ce que je pense que les personnes qu'on va laisser derrière vont se sentir en tout cas. Je ne sais pas comment c'était pour toi et ta famille. Mais les gens normaux ne marchent pas comme ça. Ah, ça c'est vraiment méchant. Naomi. Désolé. Pourquoi ne pas nous séparer? Nous pourrions couvrir beaucoup plus de terrain comme ça et peut-être trouver un indice pour nous aider à sortir d'ici. Je pense que ça a l'air le plan d'attaque le plus efficace. Qu'est-ce que t'en dis? Qui? Qui dit des choses pareilles? Il faut que je m'excuse. Je veux rentrer chez moi tout autant que toi. Retourner auprès de mon père et Yu et tous les autres. Et je suis sûr qu'on ne le... And I sure as hell don't want to make them. Et je veux... Évidemment, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi. C'est ma faute. Il faut que je m'excuse. Mais surtout, je ne veux pas que tous les gens parlent de moi comme ça. Ah, me parlent comme ça. Seiko, je suis tellement... Enfin, je suis des... Je suis désolé aussi, mais ça ira. Si c'est ce que tu penses que nous devons faire, alors nous allons nous séparer. J'irai de ce côté. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je n'ai même pas pu réussir à demander pardon. Elle n'aurait pas pu de toute façon. Et ainsi, dans ce nexus d'espace clos,
où les humains sont rassemblés et emprisonnés et tués. Deux amies qui ont dû être contentes d'avoir été, pour la petite faveur d'avoir été piégées ensemble dans cet endroit impardonnable, se sont rapidement et facilement divisées. Would the count be as with my last contested exchange? My petty obstinacy towards Seiko. Oui, donc mon obstination envers, ce qu'elle a fait envers Seiko deviendra le plus grand regret de ma vie, alors que les conséquences de cette à cause des conséquences de cet échange haineux seraient bien pires que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle fait tellement de la peine. En plus, tout le monde adore Seiko. Moi aussi, je l'adore. Pourquoi? Ça fait tellement de la peine. That jerk. Jerk, c'est sale type, quoi. On se retrouve avec Seiko. Mais hélas, les amis, il va falloir qu'on s'arrête là pour le moment. Je sais, c'est atroce de vous faire ça. Juste en plus, quand le jeu a décidé d'être... bizarrement un petit peu plus rapide que d'habitude, tiens. C'est bizarre, quand je vais comme ça, ça va plus vite. Non, je sais pas. Donc voilà, donc c'était Aquasis pour Corpse Party. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Facebook ou Twitter si la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera au prochain épisode. A bientôt!